Sacré Michel, va! Quand j'y pense, quelle tronche alors! Ah là là! Jusqu'au bout, il a tenu à ses idées, celui-là! C'est fou, juste avant de monter sur le bûcher, il a encore le toupet de dire « Jésus, fils du Dieu éternel, aie pitié de moi !» Pouf! Évidemment, avec des tels propos, il était grillé dans toute l'Europe! Puis quelle idée il a pris de venir se réfugier à Genève? Non mais, en quelques jours, on l'avait reconnu. La Trinité, une monstruosité, est-elle un chien mythologique à trois têtes? Faut dire qu'il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, notre ami Servet, hein. Ces termes pour désigner simplement notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et pourtant, de ce Dieu de communion, moi j'en viens. En tout cas, son exécution à Champel, je crois que c'est une de mes plus grosses erreurs à Genève. Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Hé, Jean ! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mon ami! Mais... Attends, j'arrive! T'as l'air bien sombre! Oh là là! Je ne suis pas sombre, je ne suis pas sombre! Mais vois-tu, il faut bien que je fasse face à Michel! Mais Jean, tu peux pas faire face à Michel! L'affaire Servet, mais ça passe pas! C'est une tâche indélébile sur ta réputation. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que tu veux? Viens. Viens, je vais te montrer autre chose. Viens, allez, viens. Je vais te montrer autre chose. Voilà, Jean, on y est. Ah. Tu vois, il y a d'autres personnes qui ont demandé pardon. Ah ben c'est bien. C'est heureux parce que si j'avais pu faire ça, je l'aurais fait. Parce que vois-tu... Ma rencontre avec le vivant a quelque peu modifié ma théologie. Quoi, toi, Jean? Un des plus brillants penseurs du protestantisme? T'as révisé ta vision de Dieu? Mais, hé, oh, tu serais pas un peu hérétique? Oh, bien sûr que non, mon ami, bien sûr que non. Mais vois-tu, avant, j'en pensais seulement pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je comprends mieux cette communion, cet amour qui unit justement notre Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Un lien d'amour qui nous invite aussi à faire de même avec les autres. C'est pas tout à fait ce que tu as vécu avec Servet, hein? Ça, tu peux le dire, mon ami. Tu sais, Jean, aujourd'hui, dans ta ville, oui. Il y a un lieu spécialisé pour la défense de ce qu'on appelle les droits de l'homme. Oh bah. Des gens importants du monde entier viennent défendre la liberté de conscience, la liberté d'exprimer ce qu'on pense. Oh bah alors ça, c'est super. C'est un lieu qui aurait pu défendre Servet, par exemple. Ah bah sûrement, sûrement. Ah ouais. Alors écoute, moi, un lieu comme ça, ça m'intéresse. Tu peux m'emmener? Bah bien sûr. Alors on y va. Alors on y va.
mon lac, c'est super. Mais Denis, mais alors c'est là que vous défendez la liberté de conscience? Mais c'est magnifique, mais c'est grandiose, c'est beau, c'est super. Mais dis-moi concrètement, dans la réalité, ça marche? Oui, mitigé. Il y a encore énormément de gens qui sont discriminés, qui sont même jetés en prison, parfois torturés jusqu'à la mort, simplement pour leurs idées. Et parmi eux, il y a beaucoup de chrétiens comme toi. Ah oui. Ouais. Bon, si je comprends bien, le bûcher, il n'est pas encore mis à l'index.